Coucou tout le monde, de retour de nouveau sur Moons of Madness pour la suite, peut-être même la fin de l'aventure, on verra. Normalement on a fait quelque chose comme deux tiers du jeu, peut-être un petit peu plus, donc je sais pas trop si je vais pouvoir le terminer cette fois-là. On se retrouve dans le complexe Icar, ou en tout cas là où se trouve le projet Icar, sous la surface de Mars. La dernière fois on a vu pas mal de révélations, dans la mesure où on s'était trimballé pas mal dans les complexes d'Orochi, sous la surface de la planète. Notamment dans les complexes Argus, avec l'armée de robots d'Orochi, tout un tas d'informations concernant les extractions d'artefacts étranges sur Mars. On avait eu des informations également sur le crash du Cyrano, et notamment des espèces de signaux qui sont émis depuis apparemment une des lunes de Mars. Et enfin, on avait eu quelques informations sur la mère de notre protagoniste principal, qui avait l'air de savoir certaines choses et qui voulait être enrôlée par Orochi. Donc là, on va voir ce qui se passe dans ce nouveau complexe. J'ai cru que c'est une créature, mais... De qui elle parle de nous? Qui nos émissions ne montrent pas? Ah merde, oui. Pas l'air de pouvoir ouvrir ses cabines. Putain, on est où, bordel? Ouh, des contaminations. Ce qui fait pas de mal par les temps qui courent. Point de contrôle. Intéressant. Complexe d'Icar, nous y voici. Centre de commandement. Ok, bon. Je sais pas trop ce qu'on va trouver ici. Hein. Et donc, en fait, on devait... Oh putain. On devait retrouver Declan sur leur espèce de ruine, là, où ils avaient réussi à ouvrir la porte. Mais avant ça, Shane voulait aller faire un tour dans le complexe Icar. Et ça m'étonnera même pas qu'on apprenne un truc qui nous dise que il faut surtout pour ouvrir cette putain de porte. Ça pourrait être... Ce serait attendu, je sais pas, je le sens comme ça. Alors ici, y a quoi? Bordel de merde! D'accord, je comprends mieux. Faut que je fasse gaffe aux épines. Y'a rien à faire par ici, ok. Ça sert à rien, je pense que j'aille par là. Allez. Par ici y'a quoi? Rien. Je pense que je vais pas rester trop là. Hein. Je sens qu'il y a des trucs bizarres. C'est quoi ces machins hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas trop bon. On a un nouvel ordinateur, encore pour changer. C'est vrai qu'on a l'accréditation de Chandra. Ok, votre requête. Nous avons obtenu des fichiers requis. Ils sont tous enregistrés dans cette console pour analyse. Ces fichiers regroupent tous les éléments de pression utilisables contre l'équipe d'Invictus. Si vous jugez nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures de surveillance, nous sommes préparés à le faire. Nous vous souhaitons une agréable visite à Semper Servus, QG. D'accord.
Ina, putain, il y a tous les fichiers de tous les trucs de l'équipe, quoi. À l'âge de 27 ans, Ina Volkova s'est trouvée directement impliquée dans l'affaire Avaria contre Kircheve, plus connue à l'international comme l'incident de Creechshow. Elle travaillait alors depuis des années dans une base aérienne militaire désaffectée à quelques kilomètres de Creechshow, putain, j'ai du mal, en Biélorussie. Des milliers d'habitants ont été tués dans l'explosion de cette base, une explosion destinée à étouffer la terrible brèche de confinement d'une substance extraterrestre qu'elle étudiait. Le procès très médiatisé qui a suivi a révélé plusieurs projets expérimentaux top secret sous sa responsabilité. Les représentants du gouvernement n'ont toute implication dans ces recherches avant qu'un verdict ne soit rendu. Volkova a fui la Biélorussie et a demandé asile au sein de l'ambassade de Russie de Tokyo. Coincée dans l'ambassade, hors la loi, Ina s'est retrouvée dans l'incapacité de poursuivre ses recherches. Nous lui avons offert la possibilité de travailler sans contrainte. Elle a accepté de conditions et signé un AND des plus strictes avec extradition immédiate à la moindre indiscrétion. Son intégrité éthique reste discutable, ses talents sont indéniables. Nous recommandons une surveillance constante et une confiance soumise à résultat. Shane Newhart. Léger traumatisme infantile documenté par le psychiatre familial, peur de l'abandon, anxiété sociale modérée. Diplômé de l'université de Brown, 2046. GPA 2,9, je sais pas ce que c'est. Doctorat en génie mécanique à l'université Miskatonic, 2052. C'est vrai qu'on avait vu son diplôme dans le, je me souviens, dans sa chambre au début du jeu. Point particulier, a créé une équation pratique pour expliquer les postulats théoriques de Young Mills et le vide de masse. On raconte qu'il aurait fait ça en un week-end au cours de sa deuxième année. Rien d'autre à signaler. Le docteur Newhart est la clé qui nous permettra de comprendre les travaux de Cynthia Newhart et peut-être de la retrouver. Surveillance fortement recommandée à toute heure. Possible au moyen de pression si jamais sa mère décide de réapparaître. Le plus simple serait de l'embaucher en tant qu'ingénieur chez Manticore. Accepter toutes ses revendications salariales. Essayer de lui soutirer des informations sur Cynthia Newhart. Joséphine Wilcox. Premier lieutenant. Joséphine Wilcox, force spéciale décorée de la Croix du Mérite en 2052, 16 janvier 2055, comparution au cours martial, 23 février 2055, exclusion pour indignité. Rapport transféré, preuve effacée. Le commandant Wilcox a démissionné de son poste le 22 février 2055 avec un bilan exemplaire en évoquant des raisons personnelles. Embauchée par le groupe, elle a pris ses fonctions au sein de notre complexe Manticore basé en Californie sous un AND extrêmement strict. Rapport, attendez une seconde. C'est mon ordinateur qui tourne comme ça là, putain. Rapport d'exclusion. C'est quoi? Mawit, Yémen, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Aïe Mawit, c'est une ville au Yémen, j'imagine. 15 juillet 2054, accident de tir fratricide. Oh putain. 6 agents secrets tués au cours d'un raid stratégique contre une opération de contrebande d'uranium. L'escouade de Wilcox n'a subi aucune perte. Le complexe a été neutralisé. Camp Alpha, 17 juillet, au Yémen, toujours 2054, accident pendant le jugement en cour martiale du commandant Wilcox, nombreux témoins. Après une brève altercation, Joséphine a déchargé son pistolet à bout portant, infligeant une blessure perforante dans le crâne du général Corey Houston. Putain. Wilcox s'est ensuite tourné pour tirer deux coups de feu, touchant le capitaine Alan Sheffield à la poitrine et à l'épaule, avant que les membres de son escouade ne puissent intervenir. Deux autres coups de feu ont gravement blessé le capitaine Jaden Allen au ventre et à la cuisse. D'autres coups ont été tirés vers le plafond, le temps que les autres officiers maîtrisent et désarment Wilcox. Le général Houston et le capitaine Sheffield sont morts sur place. Le capitaine Jaden Allen est décédé sur le trajet vers le centre médical. L'enregistrement vidéo de l'incident est conservé au QG. Putain, c'est ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Son escouade a soutenu les actions de Wilcox, renforçant l'idée que les officiers en question auraient sciemment orchestré le fiasco conduisant à la mort des 6 agents. Le commandant Wilcox ne sera pas puni pour cet incident, aussi longtemps que nous userons notre influence pour la protéger. D'accord. Donc il faisait tout pour avoir vraiment les gens qu'il voulait, quoi. Mais alors du coup, en fait, au final, si je comprends bien, en fait, Wilcox, Joséphine Wilcox, au final, c'est la seule militaire du groupe. Dick Lane de la Port. Master en génie mécanique, option langue, California Institute of Technology 2054, rapport d'incident, crime, trafic d'héroïne, possession de substances illicites, homicide. Putain, ah oui quand même. Peine 5 ans, 5 mois effectifs. Genre ils l'ont libéré au bout de 5 mois, c'est ça? A eu de gros problèmes avec la drogue, au point de faire 2 séjours au centre de désintoxication. Sa condamnation pénale est... Quoi? Est concomitante à son divorce. Putain, un nouveau mot que je ne connaissais pas. Donc la procédure s'est finalisée en 2048. Le 13 novembre 2049, il a été admis en hôpital psychiatrique pour évaluation après une tentative de suicide. Les services de recrutement de Rishi ont confirmé que Delaporte n'avait plus consommé la moindre substance illicite depuis plus de 12 ans à la date du 1er janvier 2062, période pendant laquelle il a obtenu son diplôme avec mention. Son incarcération lui a compliqué la tâche une fois le marché du
une fois sur le marché du travail, et l'offre d'embauche d'Orochi était conditionnelle à sa volonté d'en garder le secret. Delaport est un individu extrêmement motivé, le groupe fait le nécessaire pour effacer toute trace de ses heures passées. J'ai l'impression que tout le monde, un petit peu, c'est... tout le monde a son petit passé secret, quand même, hein. Ina, c'est le fait qu'elle... Ina, elle a vraiment ce... Enfin, tout le monde a son passé, hein. Ina, sur ses recherches... Shane, sur son traumatisme. Wilcox, Joséphine, sur son... ses meurtres. Delaport, sur son problème de drogue. Et Lucas. Lucas, what the fuck? Ouais, alors, attendez, j'ai pas encore lu. Ça me laisse présager du bon. Lucas Von Buren, plusieurs incidents, ordonnance restrictive définitive, Mar Richardson, restrictive temporaire, T. Anders, définitive Abigail White. Délit, violation d'ordonnance restrictive, peine 30 jours, évolution psychiatrique, les tendances sociopathes du Dr. Von Buren sont bien documentées. Lucas montre difficulté à lire les émotions et à faire preuve d'empathie dans ses interactions sociales. Sa thérapie a commencé quand ses parents l'ont surpris en train de réaliser une vivisection sur le chat de la famille. Intéressant, d'accord. Le Dr. Von Buren a énormément contribué au domaine de la philologie. Ses travaux ont permis de retracer l'évolution du langage d'Amérique centrale jusqu'à ses origines. Plus récemment, il a aidé Orochi à traduire les textes et cartes stellaires anciens. Orochi conserve les bandes de surveillance des activités du Dr. Von Buren lors de la disparition d'Abigail White et de T. Anders en 2054 et 2055, respectivement. Ces vidéos montrent Lucas séquestrant et agressant violemment les deux femmes chez lui, les étranglant jusqu'à l'inconscience avant de mutiler leur corps et faire disparaître toute preuve. Putain! Les risques d'une altercation violente sont faibles, bien en deçà du seuil acceptable, et le Dr. Von Buren a vu ses enregistrements. Il acceptera n'importe quelle tâche sans poser de questions. Il est notre élément le plus facile à contrôler. Putain, c'est quoi ces révélations de dingo, là, sur les membres de l'équipage, là? Je m'attendais à ce que ce soit des scientifiques normaux. Alors, je sais, on a tous notre passé, on a tous nos problèmes, on a tous nos petits secrets qu'on garde. Et c'est le cas de tout le monde, moi y compris, hein, mais... Enfin, même si j'ai jamais séquestré qui que ce soit, hein, mais... je vous rassure. Mais, putain, là, c'est assez dingue, quoi. Je m'attendais pas à ce que Orochi ramène les... En fait, ils ont ramené les gens à problème pour avoir des moyens de pression, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Alors ça s'ouvre, donc je vais d'abord aller faire un tour par ici. Oh putain de merde. J'ai pas de caméra, ça va? Ici on a quoi? Des ordi, des trucs comme ça. Rien dans le coin. Inspecter la zone 72 mètres. Bon, pas grand chose ici. Une statuette. Donc c'est ça les fameuses statuettes alors. Il y a un petit côté égyptien. Mais c'est quand même très différent. Hein. Je dis ça à cause de l'espèce de couronne qui est autour de la tête. Bordel de merde. Ah, il y en a un là. Allez, voilà, hop, disparaît. Vilain. Viens par ici. Faire gaffe, il y en a un là. Je vais faire un tour par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y en a un autre là. J'ai failli me faire défoncer. Il n'y en a pas un en haut, non? Faire gaffe quand même, hein. Moi, je suis de l'autre côté. Ok. Ok, il y a un autre ici. Donc je vais faire attention. Les caméras ont l'air d'être hors d'état de nuire, hein.
Ok, bon, qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans? What is that? C'est une bonne question, je ne sais pas. J'ai un ordinateur, il est éteint. C'est quoi ce truc? Fuck. C'est pas une statuette ça, c'est un truc animal. C'est... Ah! Oh! C'est super crade! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, ils ont fait des expériences avec la souillure et les humains ou quoi? Faut aller par là. De toute façon, là, je peux pas y aller. C'est bloqué. Oh! Ah, mais putain, c'est des embryons, bordel! Quelle horreur! Ah, mais il y en a partout! Putain, on se croirait dans Alien 4! Oh putain de merde. Petite frousse. Putain, mais si même les parties de robots se mettent à bouger. Oui. Point de contrôle. Si j'avance un peu, je pense que... Non, ça va, bon, bref. Ouais, bon, de toute façon, je vais pas m'avancer, hein. Je vais pas vérifier, j'ai pas envie. Oh là là. C'est de pire en pire. Ces espèces de trucs noirs, là, qui envahissent les murs, ça me rappelle un peu... Stop it! Get out of my head! You could crack open your helmet like a walnut. Let in the new breath, and my voices will still be there. Not in the spaces we know, but in between. J'allais dire, ça me rappelle Condemned, un petit peu le deuxième. Dans le deuxième, il y avait beaucoup de ce truc-là, mais ça me rappelle aussi Resident Evil 7. Hein. Effectivement. Bon, alors... Je peux aller très certainement par là. Là, à mon avis, il me falloir quelque chose. Utiliser, hein? Est-ce que je vais avoir l'autorisation? Oh putain. Oh putain, bon. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, il va me dire non. Un hand scanner. Looks like it opens a door to an elevator. Yep. Only discarded pieces block the path. Rain synapses. Unanswered question. Des chambres de confinement. Des cellules capitonnées, carrément, quoi. Enfin, capitonnées pas totalement, puisque la porte ne l'est pas, mais... Putain, y'avait quoi là-dedans, bordel? Ouf. Bon, c'est très linéaire, hein. Je vais accélérer un petit peu. Je sais pas où je vais. Y'a rien d'autre à faire ici? Pas l'impression. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Je vois qu'il y a une radio d'une main. Ok. On va aller de l'autre côté. Trouver le centre de commandement, mon utilisateur, trouver le code de la porte. Shit. Faut le code de la porte.
Attendez. What? Un ordinateur. We're all expendable assets to Orochi. Wasn't enough to know all our secrets. They can't leverage us, they'll just replace us. Protocole de contingence. Le projet Icar est autorisé à mettre en œuvre un plan d'urgence en cas d'événement imprévu pouvant menacer la sécurité de l'équipe Invictus. Une réplique individuelle sera générée et préservée jusqu'à ce que une infraction grave soit commise par l'original. Quoi ? Les infractions graves au règlement de la société comprennent transmettre sans autorisation toute information sur les opérations de la société vers une source extérieure. Menace explicitement de contrôler ou de saboter le matériel de la société ou les objectifs de mission, commettre un homicide, être témoin d'un homicide, subir une blessure mortelle ou débilitante, être témoin du déploiement ou du retrait d'un sujet cloné. Veuillez consulter les directives de sécurité avant tout déplacement ou retrait de clone. La discrétion est ici d'une importance capitale, tout manquement au protocole entraînera un licenciement immédiat. Putain, ça veut dire que je suis peut-être pas l'original ? Wait. Cryostase. Clonage réussi, tissu organique soumis au processus de vieillissement avancé, ne montre aucun signe de dégradation, implantation mémorielle via scan cérébral nocturne terminé. Donc pendant la nuit, il scanne notre cerveau, ça me fait un peu soma tout ça. Il scanne notre cerveau pour en faire des copies et les intégrer dans les clones. Holy shit! That's all of us. The entire Invictus crew. Are we the originals? The copies. À savoir. Je ne sais pas. Ouais. C'est flippant quand même un peu tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? It doesn't end. Split from a single seed. Germinated, scribbled on carbon paper, they multiply like vermin. Sentience is a glitch in the sensory organs. Pain, a cancer fed by reality. C'est assez hypnotisant aussi comme comme effet. J'aime bien. C'est pas ce relaxant. Je sais pas, bref. C'est peut-être moi qui suis bizarre, mais... Bref. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit cet ordi, là ? Alors, expérience 279, rapport du 3 juillet 2063. Expérience 279, projet Icar. Nous menons des expériences sur la substance, le phénomène, l'entité, que l'on appelle communément la souillure, que le docteur Volkova préfère nommer Pato Z. Chaque échantillon est strictement contenu et affaibli par radiation, conformément au protocole du projet Icar. Notre objectif est de voir si les effets de ce contaminant surnaturel sont les mêmes sur des tissus humains clonés, purs ou hybrides, que sur des tissus humains naturels. Et si une différence est constatée, quelle est sa nature? Aujourd'hui, nous avons appliqué d'infimes quantités de souillure sur les cellules clonées, en respectant tous les protocoles de sécurité et observé ses effets. Ils étaient globalement similaires, les molécules du contaminant attaquant aussitôt les cellules. Néanmoins, ce processus s'est révélé plus long que lors des observations précédentes. Rapport du 12 juillet, cette fois-ci. La souillure s'est échappée. J'ai scellé ma combinaison et exécuté toutes les mesures d'urgence. Je me suis injecté le sérum irradié, comme indiqué dans la procédure. Les effets secondaires sont intenses, mais négligeables comparés à l'éventualité d'une contamination. Mais comment est-ce possible? Il n'y avait aucune brèche. Je pense que la théorie affirmant que la souillure est capable d'ondoyer dans des dimensions inconnues pourrait bien être fondée. Je dois appeler de l'aide, je ne dois pas paniquer, et je dois enregistrer les découvertes de cet incident que cet incident pourrait permettre. D'accord, donc la souillure quand même arrive à se barrer même s'ils prennent toutes les mesures. Les voix. Les voix s'acharnent. J'ai d'abord essayé de les ignorer, un but de mon rationalisme. Mais quand elles ont appris à imiter ma voix, j'ai cru qu'elles et moi ne faisions vraiment qu'un. Non, ça n'a aucun sens. Les radiations doivent fonctionner. Pourtant, mes membres commencent à agir de manière autonome. Mais seulement quand je ne les regarde pas. Je dois les surveiller de près pour qu'ils restent sages. J'ai dû mettre en place une routine stricte pour ne jamais regarder le même membre. Quoi ? Plus de 7 secondes. Je dois tous les surveiller en même temps, sauf mon bras droit. Mon bras.
Bon bah, je suis scientifique, hein, oh putain, oh là là, ça part en couille. Hein. Je me suis coupé le bras. Bras droit, bon bras. Seule partie non corrompue, immaculée. Il restera pur pour toujours. Je l'ai rangé dans la morgue, code 9510. Je suis scientifique. Vais m'enfermer dans la cellule capitonnée. Tout le monde ira bien, scientifique. Merde, je suis entré par où? Par là. C'est tellement chelou. Alors c'était où? Qu'il fallait entrer le code? Je ne sais plus. C'est là. Merde. Fermé, fermé, ok. Ou alors attendez. Ah bah il est là, ouais, c'est ça. That's disgusting. Oui. Bordel. Bon. J'ai un nouveau point de contrôle et... Et nous voici dans le... dans l'espèce de truc central.